Bienvenue, Badrikan. Merci, merci Rachid Hallaoui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président exécutif de GI3. Absolument. C'est bien ça. Et vous êtes ingénieur de formation ? Oui, absolument. Je suis ingénieur de formation dans le domaine des technologies de production industrielle et des systèmes énergétiques solaires de l'Université de Technologie de Berlin. Donc tout ce qui est industriel, industrie énergétique et, ou industrie énergie, c'est quelque chose que vous maîtrisez ? Écoutez, oui. Et puis ces 11 dernières années, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'énergie solaire, dans le domaine des énergies renouvelables, notamment dans le développement de nouvelles solutions technologiques, mais aussi dans la mise en place de centres de recherche, appliqués dédiés à ces thématiques. À ces thématiques, mais donc c'est en plein dans l'actualité, parce que je rappelle brièvement aussi au passage, même si vous n'avez pas fait un passage bref, mais que vous avez dirigé, vous avez été directeur général de l'IRESEN. Absolument, c'est pour ça que, voilà, c'était juste la petite précision. C'est ce que j'ai fait ces 11 dernières années. Et donc là, l'idée était de mettre en place une structure qui allait accompagner la transition énergétique, qui allait accompagner une part importante de notre stratégie énergétique nationale à travers des centres de recherche dédiés. Et puis après, il y a eu une évolution. On a commencé à mettre en place des plateformes de recherche. Encore une fois, je précise, plateforme de recherche appliquée d'innovation, des sortes de ponts entre le monde académique et le monde socio-économique, entre l'université et l'industrie. Et c'est des plateformes de recherche qui traitaient du sujet de l'énergie solaire, le photovoltaïque, le solaire thermique à concentration, l'hydrogène vert, l'efficacité énergétique dans le bâtiment, la mobilité électrique, les réseaux intelligents, les villes durables de demain, et ensuite après l'hydrogène vert. Et c'est des plateformes qu'on a développées conjointement avec l'Université Mohamed VI Polytechnique et le groupe OCP. Et qui sont toujours d'actualité. Absolument. Ou qui sont encore plus d'actualité. Mais on va revenir sur tous ces aspects-là. Très bien. Effectivement, revenir aussi sur le parce que c'était le coup de pioche, c'était début janvier, mi-janvier, le 16 oui. janvier, les travaux de la première unité industrielle de production de chauffe-eau solaire. Voilà, et les travaux sont en cours. Je crois que ça va être l'ouverture dans quelques mois. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on va tout faire pour pouvoir démarrer la production de la première ligne en mai 2023. Donc c'est une histoire effectivement de quelques mois. Mais avant cela, oui. Badrikan, je voulais revenir vers vous et profiter de votre expertise, les deux combinés, parce que des fois on dit que l'expérience n'est pas forcément l'expertise. Avec plaisir. Mais en tout cas là-dessus, sur le regard que vous portez sur la conjoncture aujourd'hui, je veux dire à la fois internationale, puisqu'on est interdépendant, oui. et le contexte national en matière d'énergie, entre ceux qui considèrent qu'on n'y voit pas très clair sur quelle direction énergétique le pays est en train de prendre, avec les facteurs exogènes qui sont non maîtrisables, et ce qui nous plonge dans des incertitudes et des inconnus, et à la fois le contexte national où on essaie de se dire, voilà, aujourd'hui, il y a cette taxe carbone aux frontières qui est un peu à la fois une menace, à la fois une opportunité, tout dépend comment on se positionne, mais en tout cas une conjoncture aujourd'hui inflationniste, voire hyperinflationniste oui. de l'énergie, donc pour avoir de conséquences, surtout impacte toute la chaîne de valeur, les produits alimentaires, donc l'alimentation. Regard là-dessus que vous portez, est-ce qu'on aurait pu, comment faire face à cela ? Est-ce que ce qui est fait aujourd'hui est suffisant ? Parce qu'aujourd'hui, les Marocains et les Marocains, si voilà, mon pouvoir d'achat se détériore, l'énergie coûte plus cher et tout coûte plus cher. Oui. Bien écoutez, oui, c'est un sujet primordial. C'est vrai que je vous remercie aussi pour l'invitation de me demander mon avis. Je pense que je traiterai, ou j'aimerais bien aussi en parler, sur trois niveaux. Le niveau macro, méso et micro. Avant justement de parler de l'impact sur le citoyen, mais je commencerai aussi à un niveau international. Je parlerai également aussi, j'aimerais bien aussi commenter nos orientations, notre stratégie énergétique. Donc je dirais au niveau international, comme vous savez, dans la dynamique de la protection de l'environnement, du changement climatique, il y a des objectifs ambitieux qui avaient été fixés, notamment de rester sur une augmentation de la température au niveau mondial de 1,5% à l'horizon de 2030. Donc ça nécessite une baisse des gaz à effet de serre à un niveau de plus de 40% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Donc il y avait des objectifs très ambitieux. Et puis on avait l'impression que ces objectifs, qu'on ne les prenait pas trop au sérieux et on ne s'engageait pas, plusieurs pays ne s'engageaient pas suffisamment pour atteindre ces objectifs. La crise pandémique, la crise énergétique a
motiver tout le monde, pousse tout le monde justement à réagir rapidement, parce que on a senti à quoi allait ressembler le monde au moment où justement ces énergies fossiles, qui ne sont pas justement intarissables, allaient devenir une denrée rare et que les prix allaient augmenter fortement. Vous savez que l'année dernière, concernant le charbon, on a atteint un pic où on a dépassé les $400 la tonne de charbon, alors qu'il y avait, une période où on était à $40 la tonne pour le charbon. Là, on est peut-être, on dépasse toujours les $100 la tonne. C'est-à-dire que tout le monde a senti clairement la nécessité de passer à la décarbonation, la nécessité de la transition énergétique. Donc, je pense que clairement, au niveau mondial, cette situation regrettable qui a été vraiment la crise pandémique, ensuite aussi la crise énergétique due aussi à la guerre, est en train de faire converger tout le monde. Et ça, c'est une bonne chose. Alors ça, c'est le niveau, au niveau international. Au niveau national, clairement, je vous dirais que ce qui se passe devrait nous réconforter dans nos orientations et dans notre stratégie qui a été lancée en 2010. Une stratégie qui avait plan solaire national. Une vision, voilà, d'avoir un focus sur les énergies renouvelables, de développer fortement les énergies renouvelables. Ça a été encore plus, mis en avant aussi à travers l'étude pour le nouveau modèle de développement pour notre pays, où là, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre à l'horizon 2035 50% de notre capacité à installer en énergie renouvelable. Donc ça, clairement, pour nous, ça nous réconforte. Alors, c'est-à-dire la stratégie de 2009-2010, donc, qui a été, j'allais dire, avant-gardiste, de se positionner, bien sûr, sur le, donc, sur le segment du solaire, du soleil et du vent, avec tous les projets qui ont suivi, Nord 2. Et en même temps, vous avez fait référence à la commission Benmoussa. Ah, absolument. Donc pour moi, clairement... La commission Benmoussa qui a fait remonter, il me semble... Badriken, le fait que notre modèle énergétique, en tout cas, devait être réformé. Oui. À cette époque-là, il y a un an et demi, on n'a pas vu mise en place, en tenant compte de cette recommandation. Absolument. C'est ce que je vous disais, je vais parler de trois niveaux. Oui. C'est-à-dire que je parlais d'un niveau macro, méso, et j'ai parlé d'orientation. Les orientations sont très claires. Mm-hmm. Et puis, après, il faut aussi la mise en œuvre. Vous savez qu'à date d'aujourd'hui, malheureusement, nous avons toujours... des lois ou des décrets d'application qui ne sont toujours pas opérationnels. C'est-à-dire que, par exemple, l'ouverture de la moyenne tension pour permettre justement... La moyenne à basse tension aussi, également. Je parlerai d'abord de la moyenne tension qui concernera aussi fortement les industriels pour garantir aussi la compétitivité énergétique. Il y a plusieurs lois et décrets d'application qui ne sont toujours pas aujourd'hui opérationnels. Mmh. Et c'est pour ça que finalement, il faut différencier entre l'orientation et la mise en œuvre. Et par rapport à la mise en œuvre, donc pour moi personnellement, bien sûr que la stratégie doit être dynamique. Il faut continuer, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les technologies qui évoluent. Mmh. Il y a des choses qui étaient chères. Est-ce que c'est ça qui nous perturbe aujourd'hui sur le... Il y a des technologies qui étaient chères quelques années et qui ne le sont plus aujourd'hui. C'est-à-dire que même sur la priorisation des technologies, là, à chaque fois, on a les curseurs et puis il faut tourner. Mais par contre, sur la partie du cadre réglementaire, là, je suis d'accord qu'il y a eu des retards. Et donc là, justement, il faut accélérer, justement, cette mise en œuvre du cadre réglementaire. Et là, je vous citerai des exemples. Il y a la loi 82-21 de l'autoproduction qui permettrait à un industriel qui a suffisamment d'espace pour produire son électricité et la consommer, eh bien, il y a un délai de 4 ans pour qu'elle soit opérationnelle. Moi, j'espère qu'on n'attendra pas encore 4 ans pour l'avoir et pour pouvoir, justement... commencer la mise en œuvre de projets. La même chose concernant aussi la loi 1309 des énergies renouvelables qui, elle, va être revue. Il y a une nouvelle mouture, c'est la loi 40-19 et également là par rapport à la loi 40-19 qui va permettre aussi cette ouverture au niveau de la moyenne tension, permettre à tiers de produire et de vous vendre de l'électricité à moindre coût. Là encore, il va falloir aussi accélérer. Donc pour vous répondre là clairement, ça, on parle de moyenne tension, bien sûr la basse tension c'est quelque chose qui devrait également aussi à un moment être ouvert. Donc en fait, il faudrait clairement libéraliser le secteur en fait. Alors, parce que ça, accompagner. C'est pas plus ou moins cadencé, en tout cas, c'est la finalité, c'est l'ouverture. Clairement. L'ouverture du secteur. Clairement, et on souffre du fait de voir aussi
des ouvertures de la moyenne tension qui ont pris peut-être trop de temps. Bien sûr qu'il y a eu la crise pandémique, mais ça a pris trop de temps. Et donc là, clairement, aujourd'hui, pour moi personnellement, c'est l'enjeu. Il faut accélérer rapidement. En même temps, écoutez, vous savez, à l'international, vous avez parlé aussi de décision, de projection. Vous avez les grands marchés, vous avez le marché européen qui, à travers le Repower EU, investit aujourd'hui plusieurs centaines de milliards d'euros, je pense 400 milliards d'euros, pour accompagner rapidement la transition énergétique. Ils en profitent aussi pour baisser, ils veulent baisser la dépendance au gaz et au pétrole russe d'ici 2027, mais ils veulent consolider l'intégration des énergies renouvelables. Vous avez les Américains, les États-Unis avec le Inflation Reduction Act, l'IRA, également là encore aussi plusieurs centaines de milliards de dollars pour soutenir l'industrie, pour soutenir également aussi le développement des énergies renouvelables. Et puis là, sincèrement, Rachid Hillaoui, j'ai assisté hier à une réunion, une rencontre avec le ministre en charge de l'investissement, Mohsin Jazouli, au niveau de la CGEM. Et puis, je n'avais pas clairement vu le lien très fort avec le pacte national pour l'investissement, et également aussi le soutien de cette transition énergétique. Alors, hier, c'était très intéressant parce qu'on a vu les instruments qui étaient mis en place. On parle aussi là d'à peu près 55 milliards de dollars, 550 milliards de dirhams. Sur 5 ans. Sur 5 ans, avec un objectif de création d'emplois. Et donc, je pense aussi qu'au niveau national, aujourd'hui, ça va permettre le développement industriel, la création d'emplois, d'emplois verts, la création également d'industries vertes, puisqu'il y aura la possibilité de cofinancer aussi des installations propres. Donc, c'est une, pour moi, à mon avis, une excellente opportunité et un excellent instrument pour pouvoir accompagner la dynamique et la transition énergétique dans le secteur aussi industriel. Sauf peut-être que la question que j'avais dû vous poser de manière très spontanée, Badrikane, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'ancien et de l'existant? C'est-à-dire que là, en fait, la charte d'investissement, c'est effectivement une feuille de route aussi avec des outils, des instruments d'accompagnement en matière de financement pour un basculement de l'investissement public à l'investissement privé. Et ce ratio, et de passer donc sur un train de 100 milliards d'investissements par an du secteur privé, orienté vers l'écologie, la protection de l'environnement et des emplois verts et la création de richesses vertes, si je puis dire. Mais on a un tissu aujourd'hui productif qui utilise de l'énergie carbonée, charbonnée, et qui existe et qui emploie aussi du monde. Donc je me dis, voilà, cette chaîne d'investissement, effectivement, elle est tournée vers l'avenir, donc pour faire l'appel du pied aux investisseurs nationaux et internationaux. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'existant aujourd'hui? Écoutez, l'existant doit aussi suivre cette évolution. Vous savez que sur plusieurs secteurs qu'on pensait être des secteurs aujourd'hui conventionnels, classiques, vous avez énormément d'évolutions technologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un producteur de composants électriques classiques, d'armoires électriques, pourrait également se spécialiser dans la fabrication de bornes de recharge de voitures électriques ou d'onduleurs pour les installations solaires, etc. On vous renvoie tout le temps en vous disant, également, il me faut un marché sur la batterie électrique. Oui, non, écoutez... Pour la borne pour les véhicules, véhicules électriques, pas autonomes, j'allais dire autonomes, mais en tout cas pour les véhicules électriques, il faut un marché pour ça. Oui, non, mais... Il faut une infra pour ça. Il faut la visibilité. On doit voir les choses différemment. Moi, j'aimerais bien, je sais que on devrait parler de mes activités actuelles et puis aussi des projets dans quelques minutes. Mais je vais peut-être en profiter maintenant pour vous citer un exemple. Aujourd'hui, sur la production de modules photovoltaïques pour produire de l'électricité, vous avez toujours un marché qui reste limité au niveau de notre pays. Mais par contre, vous avez un grand potentiel aussi pour l'export. Nous avons aujourd'hui l'expertise qu'il faut, nous avons un tissu industriel qui est en train d'évoluer, une charte d'investissement qui encourage l'investissement et on peut avoir une subvention qui peut aller jusqu'à 30%, ce qui va nous permettre aussi d'être compétitifs, une main-d'œuvre compétitive. Donc, pour fermer un peu cette parenthèse, je vous donne un exemple sur une usine qui emploie 1000 personnes avec 1000 MW de capacité de production annuelle pour les wafers, la chaîne de valeur avant les cellules photovoltaïques, 1000 MW de production de cellules photovoltaïques et 1000 MW de production de modules photovoltaïques. Donc là, on parle à peu près de 1000 personnes. Une usine ici au Maroc
serait compétitive, elle ne le serait pas ou très difficilement en France, en Espagne ou en Allemagne. Donc là, clairement, nous avons une carte à jouer aussi vers l'export. Alors, la demande oui. est en train d'évoluer. Alors, clairement, vous avez parlé de visibilité. Oui. Quelle est la visibilité pour moi aujourd'hui? La visibilité pour moi aujourd'hui, c'est l'Europe. L'Allemagne qui va installer 22 gigawatts, 22 000 mégawatts chaque année. L'Espagne qui va installer aussi à peu près plus de 50 000 mégawatts également aussi annuellement. Les États-Unis qui vont installer plus de 17 000 mégawatts annuellement. Le Maroc avec, si je prends le cas, que le groupe OCP qui s'engage avec plusieurs gigawatts d'ici 2027. Donc on parle aussi de plusieurs milliers de mégawatts. Donc oui, la donne a changé. Alors Rachid Hlaoui, il y a quelques années, nous étions sur un marché d'une cinquantaine de mégawatts annuellement. Et là, on va passer à un marché où on parle déjà de centaines ou d'un millier de mégawatts par an. Dans le domaine du solaire. Mégawatts produits. Non, de mégawatts à consommer, à acheter. Moi, je parle à acheter, donc du marché. Ça, j'ai cité l'exemple de l'OCP, la décarbonation aussi du secteur industriel avec l'ouverture de la moyenne tension, etc. Donc, vous avez ça. Et en plus, vous avez aujourd'hui les projets pour la production d'hydrogène vert et de dérivés qui sont en train aujourd'hui d'être préparés, d'être conçus, parce que c'est vrai que là, on est plutôt sur le moyen terme, on ne parle pas de projets pour 2024-2025, on parle plutôt de projets pour 2026-2027. Et là encore, ben cette visibilité, le marché, la demande va augmenter encore plus fortement. Pourquoi? Parce qu'on ne sera plus que sur 1 gigawatt annuel ou 1000 mégawatts, mais on va passer à quelques milliers de mégawatts. Donc on va être vers un 4-5 gigawatts annuel. Ça, c'est au niveau de la consommation. Ça, c'est au niveau de la consommation justement produire, pour produire de l'ammoniac décarboné, ce que va faire aujourd'hui le groupe OCP, avec cet objectif d'ici 2027 de produire 1 million de tonnes d'ammoniac. Le groupe OCP importait ou importe presque annuellement 2 millions de tonnes d'ammoniac. Un peu plus de 2 millions. Produire 1 million et ensuite, à l'horizon de 2032, pouvoir produire 3 millions de tonnes. Et ça, clairement, c'est une opportunité parce que, écoutez, quel était le défi que nous avions au Maroc? Le défi que nous avions avant, c'était, nous avons toujours, un grand gisement solaire et éolien. C'est la particularité de notre pays. C'est ce qui fait la spécificité de notre pays. Pourquoi notre pays est un des pays qui a le plus fort potentiel aussi de production d'hydrogène vert? Parce qu'on a des sites qui combinent les deux. Des vitesses de vent élevées et le vent qui souffle à plus de 60-70% du temps. Pas surtout et le pays, un rayonnement solaire. Dans des régions, c'est des hotspots, mais quand on compare, vous avez très peu de régions ou pays où vous combinez les deux. Quand vous avez les deux, ben vous pouvez produire de l'électricité presque 24 heures sur 24. Donc ça, c'est une spécificité de notre pays. Vous allez sur l'hydrogène vert comme énergie du futur. On nous présente ça comme comme le carburant du futur. La plus haute autorité de l'État, d'ailleurs, a demandé, il y a une réunion de travail, une feuille de route, une offre au Maroc là-dessus. Bon, on a du soleil, on a du vent. Est-ce qu'on a des électrolyseurs? Est-ce qu'on pourrait être compétitif aujourd'hui sur l'infrastructure, en fait, j'allais dire, industrielle en matière d'hydrogène vert? Il y a eu, a priori, je tiens ça d'un propos qui a été exprimé par la ministre de tutelle, Leïla Ben Ali, sur l'hydrogène vert. Attention, il ne faudra pas faire comme pour les ENR, les énergies renouvelables, puisqu'il n'y a pas d'écosystème industriel qui a été mis en place, malgré le fait que ça fait plus de 10 ans que la stratégie nationale était mise en place. Donc je veux bien qu'il y a du vent, il y a du soleil, il y a effectivement l'OCP qui est une vraie feuille de route et qui va s'y atteler, mais ça reste, c'est un opérateur, ça va être l'opérateur moteur. Mais j'allais dire, d'un autre côté, les industriels aussi disent, voilà, mais nous, qu'est-ce qui va être fait sur fabriquer la batterie électrique aujourd'hui? Il n'y a personne chez nous qui est capable de fabriquer de la batterie électrique. On part sur l'hydrogène vert. On voit que les pays africains, je crois que c'est l'Égypte qui a mis 80 milliards de dollars sur la table aussi pour investir massivement dans l'hydrogène vert et d'autres pays du continent. Nous, on est où? Est-ce qu'on est dans les radars? Est-ce qu'on n'est pas dans les radars? Badriken, est-ce qu'il faut retenir aussi les leçons? Parce que je rappelle que vous avez une vraie expertise sur les ENR, de ce qui a été loupé au niveau des ENR et qui ne doit pas être loupé dans l'écosystème industriel hydrogène vert à venir. Oui, ben écoutez, où c'est qu'on en est? Nous avons été le premier pays arabe et premier pays africain à publier sa feuille de route hydrogène, donc avec clairement une approche qui diffère de l'approche initiale relative au solaire, parce que la grande différence, c'est que pour l'énergie solaire, on voulait que tout soit porté
par le public et par l'État, alors Oui. que là, l'approche a changé. L'idée, c'est de dire le secteur public met en place un environnement favorable et laisse le privé venir justement développer les projets, parce que vous savez la grande différence. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons un défi. Quel est ce défi? Un gisement gigantesque et une consommation, un marché qui reste faible par rapport à notre gisement. On parle d'un gisement qui dépasse, sur le solaire, le potentiel théorique dépasse 48 000 TWh. Sur l'éolien, plus de 11 000 TWh. Donc on parle de plusieurs, l'équivalent de plusieurs, si ça, on prend potentiel, 5%. C'est potentiel naturel. Potentiel technique, et naturel. Quand on dit le technique, ouais. on prend à peu près 5%. Quand vous prenez 5%, le solaire, c'est l'équivalent de 1000 gigawatts. Pour l'éolien, c'est l'équivalent d'un 300 gigawatts. Donc on a un potentiel gigantesque et un marché qui ne pourrait pas tout absorber. Le défi que nous avions par rapport à l'électricité, c'est qu'il fallait, pour cofinancer notre transition énergétique, exporter cette électricité. Il fallait l'exporter et la revendre, puisque notre demande restait limitée. Et ça, c'est compliqué avec les interconnexions, parce qu'il faut avoir des câbles. Vous savez qu'il y a un projet qui va peut-être relier, j'espère, le Maroc à la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est des investissements qui sont lourds et c'est complexe. Avec l'hydrogène vert, l'avantage, et puis je vais parler aussi au défi, vous avez parlé aussi de l'intégration industrielle, mais l'avantage, c'est de pouvoir commencer cet export et cette valorisation, justement, de ce gisement, très rapidement, en utilisant aussi des infrastructures existantes. Je prends le cas de l'ammoniac. L'ammoniac, nous avons des infrastructures qui permettent d'importer 2 millions, plus que de 2 millions de tonnes par an. Nous pourrons, après, lorsqu'on produira notre ammoniac vert, utiliser ces infrastructures pour exporter autant. Et donc ça, c'est un avantage. Nous pouvons utiliser aussi le transport maritime pour le début, avant de parler, là encore, de pipelines ou de gazoducs. Et on peut imaginer justement ce secteur de l'hydrogène vert comme celui de l'automobile. C'est-à-dire qu'on va avoir des investisseurs étrangers qui vont venir, qui vont s'installer au Maroc, utiliser ce gisement renouvelable. Et là, il faut un modèle. C'est pour ça qu'il y a une offre Maroc qui est en train de voir le jour, qui a été demandée. Donc il faudra nécessairement avoir une signature. Par Sa Majesté. Une signature internationale. Et donc venir à ce moment-là. Non, j'y arrive. Oui. Et donc venir et commencer aussi à exporter cette matière première et ce vecteur d'énergie vers l'étranger et vraiment avoir, un chiffre d'affaires et avoir aussi un marché colossal. Alors, l'intégration industrielle. Alors, l'intégration industrielle, j'y arrive. L'intégration industrielle, ça aussi, c'est un élément aussi qui est primordial. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'ai parlé d'hydrogène vert, on ne parle pas de projet pour 2024 ou 2025. On parle plutôt de projet pour 2026-2027, parce qu'il faut une montée en puissance. Cette montée en puissance, et c'est ça l'avantage qu'on a aujourd'hui par rapport à l'hydrogène vert, c'est que quand on a démarré avec le solaire, écoutez, nous avions plusieurs dizaines d'années de retard. Nous n'avions pas d'industrie. Et aujourd'hui, sur l'hydrogène vert, nous sommes en train d'assister à l'émergence de ce secteur au niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la mise en place d'usines d'électrolyseurs. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'usines d'électrolyseurs, il n'y a pas suffisamment d'usines de batteries. Donc, nous avons notre chance. Mais il n'y a pas d'acteurs industriels, surtout maroco-marocains, qui sont aujourd'hui qui sont déjà positionnés là-dessus. Oui, mais vous avez encore une demande. Oui. Gigantesque, c'est-à-dire qu'il y a encore des dizaines, centaines d'usines de production d'électrolyseurs et de production de batteries qui devront voir le jour. Et nous avons là clairement notre chance. Avec quelle politique au niveau des intrants? Avec de quelle politique au niveau des intrants? Électrolyseurs, électrolyse aujourd'hui, là, c'est produit massivement en Asie. Donc essentiellement du côté de la Chine, oui, qui est en train reste... de se déconfiner. Ouais. Voilà, aujourd'hui, je me dis, on a envie de faire, on a envie de d'attirer des grandes signatures. Il y avait au moment Adani, le géant indien, d'ailleurs, qui connaît quelques difficultés aujourd'hui dans son pays d'ordre financier, qui maîtrise en fait l'expertise hydrogène vert, qui pourrait venir ici un peu à l'image, vous avez dit, de l'écosystème industriel automobile. Oui. Mais valeur aujourd'hui sur l'électrolyse, électrolyseur. Oui. Si on n'a pas d'électrolyse, électrolyseur à des prix compétitifs, on ne pourra pas se positionner sur l'hydrogène vert. Mais clairement, c'est ce que disent aujourd'hui les opérateurs industriels à travers le monde. Clairement, Rachid Hillaoui, oui. Mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est que la production aujourd'hui de modules photovoltaïques, la production d'électrolyseurs, la production de batteries, actuellement, cette capacité de production ne suffit pas. Il va falloir consolider ces capacités de production. Et nous avons aujourd'hui plusieurs atouts. J'ai cité l'exemple de la main-d'œuvre.
J'ai cité l'exemple aussi des qualifications. C'est-à-dire que clairement, nous avons assisté ces 12 dernières années, depuis le lancement de la stratégie énergétique et puis aussi du plan solaire, à une forte aussi augmentation d'expertise au Maroc. Nous avons aujourd'hui une charte d'investissement. Quand vous dites expertise, Badriken, aujourd'hui, moi j'ai été surpris. Excusez-moi, allez-y. Une charte d'investissement qui vous permet aussi d'être compétitif. Et l'énergie, le prix de l'énergie qui a baissé, l'accès à de l'énergie propre, tout cela sont des arguments pour nous. À des prix compétitifs. Je vous donne bien sûr mais compétitif. C'est, mais c'est clairement, quand j'ai 1000 personnes qui travaillent au Maroc, avec une moyenne d'un salaire de 5000 dirhams mensuellement, et je compare avec l'Allemagne, 1000 personnes avec une moyenne de salaire de 2800 euros, vous avez une très très forte différence. Vous avez cette possibilité de pouvoir également aussi être compétitif. Lorsque vous avez une électricité aujourd'hui au Maroc qui peut être, si je prends le cas du solaire photovoltaïque ou de l'éolien, en dessous de 30 centimes de dirham le kilowattheure, avec de l'énergie propre, et vous savez, vous avez parlé de la taxe, vous avez parlé aussi de l'empreinte carbone, nous avons la possibilité aujourd'hui d'offrir et de valoriser un site Maroc compétitif. Sauf que, excusez-moi et laisse-moi finir. Vous avez l'OCP. Vous avez aujourd'hui l'OCP qui est un expert du secteur de l'industrie de la chimie. Parce que pour l'hydrogène vert, vous avez besoin de deux expertises. Le renouvelable et puis aussi la chimie. Et nous avons aujourd'hui aussi les deux. On a développé une expertise dans le domaine du renouvelable et on a développé l'expertise dans le domaine aussi dans le domaine aussi de la chimie. Alors qu'est-ce qui manque pour moi, si vous permettez? Vous l'avez bien dit, comment encourager au début les entreprises nationales? Comment on rejette? C'est-à-dire que quand je lance... Je trouve fou, Badriken, aujourd'hui, chiffres data à l'appui, que la banque de projet d'investissement qui avait été initiée par Moulaf El Alami, le prédécesseur d'ailleurs de Riyad Mezour, valeur aujourd'hui sur les ENR, les énergies renouvelables, il y a 2-3 dossiers qui ont été déposés. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un réel engouement des investisseurs et de l'investissement sur les énergies renouvelables. Je me dis, aujourd'hui, il y a Mounir Jazouli, effectivement, qui va nous présenter sa feuille de route au niveau de la charte d'investissement, d'un point de vue théorique. Il a présenté au patronat, vous étiez présent hier. Mais je veux dire, on est sur de la théorie. Aujourd'hui, quand vous dites la transition dans les pays comme l'Allemagne, que vous connaissez très bien, ou d'autres pays européens, c'est les États sont engagés pour accompagner le monde de l'entreprise dans sa transformation, transition énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, chez nous, c'est le cas? Oui. Alors écoutez, sincèrement, Rachid Hillaoui, moi personnellement, il faudrait pas me faire le reproche, parce que moi personnellement, de l'autre côté, je passe de l'autre côté. Oui, mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Je suis en train de développer des unités industrielles dans le domaine des énergies renouvelables, parce que même avec des moyens fonds propres limités, et malgré ça, écoutez, on y croit, on se lance, on est aussi motivé par cette charte d'investissement. C'est ça qui nous a motivé. Ce n'est pas de la théorie aussi, ce n'est pas de la théorie, mais ça rend votre business plan beaucoup plus intéressant. Alors, je reviens, si vous permettez, finaliser quand on a parlé là d'OCP, l'expertise dans la partie chimie, l'expertise dans la partie renouvelable. Nous avons, pour moi, aujourd'hui, suffisamment d'expertise pour pouvoir nous positionner sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur. Maintenant, qu'est-ce qui manquait par rapport au plan solaire? Qu'est-ce qui manquait? Et c'est là où, clairement, on doit également aussi faire attention. C'est vrai que, par rapport à la compétitivité, aujourd'hui, pour le solaire, pour l'éolien, nous n'avons plus besoin d'incitation. C'est-à-dire qu'on peut faire des projets, au moment, comme vous avez dit, au moment où on est compétitif, on veut faire des projets. Cela dit, on a remarqué que par rapport au plan solaire au début, ça allait tellement vite qu'on, les entreprises avaient du mal à suivre. Et puis, on n'a pas prévu, même par rapport aux tailles, parce que ça, c'est important, là, les cahiers de charges. Quand moi, j'ai une pression, et c'est vrai, on doit décarboner rapidement. Et je vais lancer de grandes centrales pour substituer des centrales à charbon et autres. On a toujours aujourd'hui 68% de notre énergie qui est charbonnée. Donc, c'est vrai qu'il faut faire vite. Mais par rapport au plan, vous avez parlé tout à l'heure de détails, mais ça, c'est que j'ai parlé de mise en œuvre. Il faudrait qu'à chaque fois que nous lançons un programme, un projet, un appel d'offres pour 200 mégawatts, avoir aussi des petits projets de quelques dizaines ou même quelques mégawatts pour offrir aux entreprises marocaines aussi
la possibilité de se positionner et d'avoir des références. C'est un exemple, d'ailleurs, un pays comme le Portugal l'a fait. Donc avec des parcelles, en fait, des espèces de terrain où il y a de la production de gigawatts en énergie renouvelable à des prix compétitifs, qui étaient largement d'ailleurs en deçà du nôtre. Est-ce que vous considérez effectivement, Mardekin, qu'il faudrait aller un petit peu vers ça pour définir Les modèles doivent être pérennes, parce que même au Portugal, on avait plusieurs usines de production de pales pour les éoliennes qui avaient vu le jour dans le cadre de programmes où il y avait des projets. Et puis ensuite, après, à la fin, ces usines, ont fermé leurs portes. On a vu la même chose ici au Maroc concernant aussi l'usine de Tanger. Absolument, c'est regrettable. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, clairement, aujourd'hui, je considère que nous avons les ressources humaines, l'expertise qu'il faut, les capacités, des avantages par rapport au site, par rapport à plusieurs éléments qui nous permettraient de produire, pas seulement pour le marché national, mais aussi pour l'export. Alors, je vous cite un exemple concret. Avec la prochaine industrie. Est-ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent? Alors écoutez, il y a 10 ans, nous n'avions pas l'expertise nécessaire sur plusieurs sujets. Sur les sujets relatifs au solaire, photovoltaïque, le solaire thermique, le stockage thermique, le stockage électrochimique, les batteries. Sur le sujet des électrolyseurs, nous sommes en train de monter en puissance. Et comme je vous ai dit, là, nous ne sommes pas confrontés à des pays qui nous dépassent de plusieurs années d'expérience et d'expertise, non pas du tout. Le marché, le secteur est en train d'émerger et nous avons la possibilité de nous positionner. Alors, j'aimerais bien vous donner un exemple, par exemple, sur les modules photovoltaïques. Sur les cellules photovoltaïques, ça, c'est un sujet sur lequel, alors vous savez... C'est un business sur lequel vous êtes positionné. Absolument. Nous avons lancé aujourd'hui la première unité industrielle pour la fabrication de chauffe-eau solaire. Oui. Là, clairement, moi-même, j'étais souvent frustré depuis plusieurs années de voir... que 100% des produits des chauffe-eau solaires étaient importés de Chine, de Turquie, parce que pas cher, à des prix compétitifs. Pas seulement, de Grèce aussi. Grèce importe plusieurs composants d'Asie, les assemble en Grèce et les revend avec un Made in Europe, etc. Et également de Turquie. Donc, plusieurs produits qui étaient fabriqués ici et donc pas de chauffe-eau solaire qui étaient fabriqués au Maroc. Donc, on commence avec une unité de production de chauffe-eau solaire. Je commenterai ce sujet. Et puis, je voulais vous parler de l'usine de cellules photovoltaïques pour vous donner un exemple concret. Celle qui va être lancée dans un second temps. Voilà, qu'est-ce qui a changé? Alors, qu'est-ce qui a changé, Rachid Hillaoui? C'est plusieurs éléments. Premièrement, la situation actuelle, la situation géopolitique actuelle qui va nous donner, alors j'espère que les choses vont se calmer, mais ça va nous donner aussi une longueur d'avance. Alors, premièrement, sachez que le grand marché américain, les 17 000 mégawatts dont j'ai parlé annuellement pour le solaire photovoltaïque, les Américains souhaiteraient importer des cellules et des modules qui n'ont pas comme origine la Chine. Donc ça déjà, ça ouvre de nouvelles opportunités. Et il n'y a pas suffisamment d'usines pour répondre aux besoins. Le marché européen, les Allemands, etc., ne souhaitent également aussi pas importer que chinois. De l'autre côté, nous avons également aussi, aujourd'hui, une taxe carbone à la frontière. Ça implique que et on a fait nos calculs, c'est-à-dire qu'on a un partenaire technologique, on a un partenaire financier. Lorsqu'on voit tout le détail des coûts des composants, des intrants, jusqu'à produire la cellule photovoltaïque, ensuite le module photovoltaïque, on est plus cher que les producteurs chinois de seulement 10%. Ou peut-être même, je vais dire, 8%. Ces 8% pour nous, on arrive à les rattraper sur le transport. Parce que vous avez un coût de transport qui est élevé et vous avez Plus proche pour exporter des chauffe-eau solaires en Europe, nous avons un transport aujourd'hui maritime sur l'empreinte carbone qui est beaucoup plus lourd. Et donc là, nous avons un avantage. Il y a également aussi des ruptures technologiques. Vous savez que les choses ont évolué. Et aujourd'hui, nous étions confrontés à une compétition de producteurs, de fabricants chinois avec des capacités de 10 gigawatts, 10 000 mégawatts de capacité de production annuelle. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, on était sur des cellules photovoltaïques, PERC, on passe à TOPCON. TOPCON, on rajoute une couche pour pouvoir mieux capter les rayons et avoir un rayon solaire et avoir un rendement qui est plus élevé. Cette technologie va obliger les fabricants chinois à
changé à peu près plus de 35% de leurs équipements. Et ouais. à commencer aussi avec des capacités, pas de 10 gigawatts, ils vont réadapter peut-être 1 gigawatt, 2 gigawatts. Et pour finir le point et l'argumentaire. Et donc là, clairement, c'est-à-dire que pour nous, avec 1000 mégawatts de capacité de production annuelle, nous allons aussi être compétitifs par rapport à cette nouvelle technologie sur les premières années en attendant la montée en puissance. Alors après, last but not least, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et j'ai cité des chiffres. Avec une usine de 1000 MW en wafers, 1000 MW en cellules, 1000 MW en module photovoltaïque, vous avez à peu près presque 1000 personnes. Et donc là, aujourd'hui, même nos partenaires européens auraient des difficultés à être compétitifs en Europe. Mais nous avons la possibilité d'être compétitifs. Et pour vous donner un exemple, Très rapidement. Vous savez que ça fait des années, moi, j'ai eu beaucoup de coopération technologique avec la Corée. Et à chaque fois que j'étais en Corée, on me disait, écoutez, vous êtes positionné sur ce sujet, plusieurs composants, les modules, les cellules, les batteries. Et ils me disaient à chaque fois, si les Japonais peuvent, ben nous, on peut faire aussi également. Mmh. Aujourd'hui, pour moi, il y a un modèle, c'est la Turquie. Vous savez qu'aujourd'hui, le pays qui est en train de vivre un développement industriel dans le domaine du solaire, dans la production de cellules photovoltaïques de modules, c'est la Turquie. Et avec, aussi sur les chauffe-eau solaires. Avec un engagement des pouvoirs publics. Et pour nous, c'est un. Mais on le sent, nous aussi. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, si nos amis turcs peuvent, nous pouvons aussi. Et c'est pour ça que j'ai parlé de capacité, de ressources humaines, et aujourd'hui d'instruments qui nous soutiennent. Est-ce que les commodities, les intrants, vous les. Parce qu'il faut disposer d'intrants, j'ai vu cellules photovoltaïques avant de votre venue, moi, j'ai fait travailler tard. Badriken, mais bon, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, comme le fait de vous recevoir. Et je me suis rendu compte que pour la fabrication en fait, de cellules photovoltaïques, il fallait maîtriser aussi, disposer en tout cas, de semi-conducteurs. Alors, il fallait. On est bien d'accord. Il faut peut-être une petite correction. Ouais, les cellules photovoltaïques, c'est du semi-conducteur. Ouais. On a besoin de lingots. On a besoin de silicium. De silicium. Si on est sur du mono, c'est du silicium, c'est des lingots. Cristallin, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des sortes de fours. Mm-hmm. On met de la silice. Énormément d'énergie, de la pression, et ensuite on a un cristal qu'on va récupérer, qu'on va découper, on va scier, et ensuite on va avoir notre cellule photovoltaïque qui va traiter. Donc matière première silicium, on est bien d'accord. Matière première silicium. La Chine en dispose apparemment de manière infinie, très largement, comme les semi-conducteurs, on le voit bien d'ailleurs, il y a cette bagarre technico-industrielle entre les États-Unis et la Chine sur les semi-conducteurs. Comment nous, Maroc, au travers de vous, parce que c'est vous qui êtes positionné sur le marché, vous êtes compétitif en matière de prix, compte tenu que le silicium, c'est une matière première. Excusez-moi, vraiment petite différenciation. Souvent, quand on parle justement du semi-conducteur, on parle beaucoup des composants. Oui. Là, moi, je suis en train de parler aussi de la matière première. Mm-hmm. Je suis en train de parler vraiment du silicium pour produire un composant qui, lui, pourrait aller vers le semi-conducteur, non, là, irait vers le solaire. Mm-hmm. C'est du silicium qui est un tout petit peu moins pur, mais en tout cas, c'est du silicium qui va être utilisé pour le solaire. Concernant le silicium, aujourd'hui, si je cite l'exemple d'une entreprise, une grande entreprise allemande, Wacker, produit énormément de silicium. Vous savez qu'en Europe, à un moment, il y avait un marché du semi-conducteur qui était développé et ils ont tout délocalisé. Mmh. Et donc aujourd'hui, vous avez des industries qui ont toujours la capacité de vous livrer suffisamment de silicium. Il y a également la Russie, ça c'est un fait. Mais vous avez, en ce qui concerne le solaire, il y a des entreprises allemandes, scandinaves, qui en produisent aussi. Et donc là, clairement, l'accès à cette matière première n'est pas aujourd'hui problématique. Par contre, ce qui est important à savoir, et c'était ça le défi, j'en ai pas parlé aussi tout à l'heure, autre argument, vous savez, quand on a eu au Maroc des positionnements sur la production de modules photovoltaïques, on avait toujours des usines de capacité de production limitée. On avait des usines de 15 MW, de 30 MW. C'est très difficile de faire la compétition à une usine qui produit, elle, 1000 MW, 5000 MW de capacité de production de modules photovoltaïques par an. Et donc là, la donne, aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une capacité plus importante et de se positionner aussi sur la cellule. Pourquoi? Parce que, écoutez, la marge aujourd'hui sur les modules photovoltaïques, ça a été un peu l'erreur de l'Europe. Et je vais vous dire une chose aussi, vous avez parlé comment faire les choses différemment. Une erreur de l'Europe, une erreur des États-Unis, c'est de se dire à un moment, c'est comme les téléphones. Mon téléphone, j'ai le produit, la valeur ajoutée, elle est sur le produit final, la conception, les composants à l'intérieur, on s'en fiche, c'est importé.
Mais pour le cellule, pour le module, pour le solaire, pour un module photovoltaïque, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la forte valeur, elle est dans la cellule. Mmh. La marge sur la cellule, elle est de 25 à 27%. Une marge sur le module, elle est à 7 ou 8%. Et tout le monde, les Européens, les Américains et même nous-mêmes, on se positionnait sur le dernier maillon de la chaîne de valeur avec une marge qui était très faible. Alors pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire aussi différemment dans cette dynamique aussi d'hydrogène vert? Ouais. Par rapport au solaire, ce que j'ai trouvé aussi un peu regrettable, c'est que quand on a commencé, on a lancé nos projets. Les Européens ont lancé également aussi leurs projets. Nous avons coopéré, nous avions une forte coopération aussi historique entre l'Allemagne sur l'énergie. Les partenaires allemands ont fortement aussi soutenu l'émergence d'expertise, d'accompagnement pour le lancement dynamique. Du plan solaire. Mmh. Ça, nous avons assisté à ça. Et à la fin, on a préparé un programme on a lancé des appels d'offres internationaux pour avoir que des composants venant de l'étranger, notamment venant de l'Asie et de la Chine. Hmm. Ça, c'est dommage. Ça, il faut le faire différemment. Et là, je vous rejoins. Il ne faut pas avoir une approche prix, c'est ça que vous dites, une approche coût. Il faut avoir une approche plus large et plus globale. L'approche doit être plus intégrée. Je vous cite l'exemple sur l'hydrogène vert. Oui. Aujourd'hui, nous savons qu'il va y avoir des pays importateurs et des pays exportateurs. Mm-hmm. Le Maroc fait partie des pays producteurs et donc qui sera un pays exportateur. Et donc là, clairement, si je sais que dès le début, je cite l'exemple, je prends l'exemple de la France, la Hollande ou autre, je sais que l'Allemagne va importer fortement. Et nous allons produire. Et nous allons mettre en place des projets ensemble. L'Allemagne a mis en place un programme d'achat qui s'appelle H2 Global, d'achat de l'hydrogène plus cher, c'est-à-dire pour les premières années où il y aurait encore une différence de prix. Alors, c'est-à-dire qu'on va produire au Maroc pour exporter en Allemagne. Lorsque je sais que des partenaires marocains, industriels, consortiums marocains, avec des consortiums allemands, vont mettre en place une relation de coopération commerciale énergétique, on pourrait aussi, dès le début, demander à ce que la partie industrielle se fasse. On va être sur une forte concurrence entre le Maroc, sur l'hydrogène vert. Oui, entre le Maroc. On va être sur une forte concurrence aujourd'hui, parce que même au sein même des États membres de l'Union européenne, un certain nombre de pays se sont positionnés sur la production d'hydrogène. Donc il se pourrait aussi qu'entre pays membres de l'Union européenne, il y ait de l'export et import d'hydrogène vert. Écoutez, sincèrement, Rachid Hellaoui, c'est ce que j'ai dit là, gentiment. Non, allez-y. Non, alors écoutez, vous avez, avec l'objectif décarbonation, et là, les derniers rapports de l'Agence internationale de l'énergie vous montrent que les objectifs, là, clairement, et les projections vont être accélérés de 85%. C'est-à-dire que l'objectif maintenant, à l'horizon 2030, c'est d'arriver à 45% au niveau mondial d'intégration des énergies renouvelables. Oui. C'est-à-dire que là, clairement, tout le monde a vu ce risque géostratégique de dépendre. Tout le monde s'est positionné. Mais la majorité sont des consommateurs. L'Allemagne, aujourd'hui, avec un fort besoin, et là, on parle de quoi? On parle en Europe, à l'horizon 2050, d'un besoin de 7500 TWh en énergie renouvelable. Il faut être compétitif au niveau prix. 7500 TWh en énergie renouvelable. 7500 TWh en hydrogène vert et en dérivés. Donc la demande est tout simplement gigantesque. Et tout à l'heure, le marché est gigantesque, la demande est gigantesque. Et là, clairement, nous avons l'opportunité de pouvoir nous positionner. Moi, il y a deux éléments clés. Il ne faut pas perdre la longueur d'avance. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut continuer à être parmi les premiers précurseurs, parce qu'il faut se positionner aussi sur plusieurs projets. Il faut clairement profiter de ces modèles dont j'ai parlé, clairement. C'est-à-dire, si l'Allemagne a aujourd'hui des subventions sur l'hydrogène vert, et je sais qu'il y a des consortiums allemands intéressés avec des consortiums marocains, il faut qu'on rentre dans un partenariat et qu'on puisse nous dire que par rapport justement à cette part importante de ce gâteau aussi sur l'intégration industrielle, il faut qu'on le fasse ensemble et pas se dire on met en place un cadre et on lance des appels d'offres pour des entreprises seulement asiatiques. Donc il faut clairement aussi en profiter. Donc, et donc là, clairement, pour vous dire, donc vous avez aujourd'hui une offre ficelée, on est bien d'accord. Une offre compétitive ficelée. Bien sûr, le modèle doit être intégré. On nous dit qu'aujourd'hui, il faut être entre 4 et 5 dollars le kilo de production. Non, à l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, on parle de 2 dollars. 2, quand on a une économie d'échelle extrêmement importante, qui permet de descendre à 2. Est-ce que nous, dans notre offre... Il faut pour être compétitif. Mais en même temps, on fait comment Vous avez eu des augmentations. J'ai parlé tout à l'heure du prix du charbon qui a dépassé les 400 dollars. Le gaz avec une augmentation, le gaz naturel avec une augmentation de plus de 50%, etc. Non, vous avez la conjoncture et vous avez ces augmentations. On est d'avis qu'à un moment, ces prix vont à nouveau un tout petit peu baisser.
Là, clairement, on est en train de remarquer aussi que les prix ont comme baissé. Comme pour le voltaïque. C'est pour ça. Non, je parle du prix d'énergie fossile. Parce que le photovoltaïque aussi était très cher et les prix ont largement baissé. Un tout petit peu. Le photovoltaïque, là, on parle pas au moment de la crise pandémique et la crise, énergétique. Le prix du photovoltaïque, il y a à peu près plus de 14 ans, on était à 3 dirhams le kilowattheure. On est aujourd'hui, on peut être sans le coût financier, à 30 centimes de dirhams le kilowattheure. Okay. Donc là, clairement, on peut être compétitif. Et c'est ça que je vous dis, même par rapport à nous, je vous donnerai les prix. Aujourd'hui, un spot price pour le watt crête du module photovoltaïque, on est à 2 dirhams, on est à 2 dirhams 50. Quand on calcule, on peut être aussi au Maroc, atteindre le 2 dirhams 50 par rapport aux composants. Et sur la production d'électricité, clairement, avec notre gisement et nos ressources, on est clairement capable d'atteindre ces 2 dollars. Maintenant, quel est le défi? Ça, on l'a vu avec les fabricants. Oui. Il n'y a pas suffisamment aujourd'hui d'électrolyseurs. Les technologies doivent être matures. Pourquoi? Si ce n'est le fait que, quand vous aviez avant un seul électrolyseur, quelques-uns, ce n'est pas la même chose que d'en avoir des centaines, même sur la maintenance. C'est que je dois revoir tout le design de mon électrolyseur. Avant, je pouvais remplacer des pièces en les enlevant d'une manière latérale. Là, à côté, j'ai un autre électrolyseur, Il faut revoir toute cette architecture. Donc, il y a toute une économie d'échelle qui va se créer. C'est on est bien une opportunité aussi pour En même temps, il y a toute une économie d'échelle qui va se créer. Oui. Donc, effectivement, quand on était sur des produits, il y a quelques mois encore, on parlait de 4-5 dollars le kilo en matière d'hydrogène produit. Oui. Aujourd'hui, même plus. Aujourd'hui, on dit, on peut même être descendu en deçà de 2 dollars, on est à 1,60, 1,70, 1,80. Et là, clairement. Pour les pays qui disposent effectivement d'un écosystème industriel avec des électrolyses et les électrolyseurs qui la permettent effectivement de produire à grande échelle. Parce que vous savez, Rachid Hilaoui, on parle là d'une matière première, d'un produit que nous allons exporter. Et on parle tout à l'heure, j'ai parlé de chiffre d'affaires. Écoutez, ça donne le tournis. C'est-à-dire, moi, je n'avais pas l'habitude quand on a travaillé sur l'élaboration de la feuille de route hydrogène Maroc, sur des projections 2035, 2040, on parle de plusieurs dizaines de milliards et atteindre même des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est des opportunités monstres, c'est des chiffres d'affaires qu'on connaissait au niveau de pays producteurs et exportateurs de pétrole. Donc c'est-à-dire l'opportunité, elle est gigantesque. Mais n'oublions pas une chose sur le coût de cet hydrogène vert. Et là, je précise aussi, c'est quoi l'hydrogène vert? Je prends de l'eau à travers le dessalement qui ne représente que moins de 0,1% du coût de la production d'hydrogène. Donc ça, le dessalement n'est pas problématique. Je prends de l'eau et puis avec mon process d'électrolyse, avec de l'énergie propre, du solaire, de l'éolien, je vais dissocier la molécule et je vais avoir un atome d'hydrogène et de l'oxygène. Alors, et là, il faut savoir que clairement, la plus grande part du coût de cette production d'hydrogène, c'est le coût de l'électricité propre. Et ce coût d'électricité propre aujourd'hui, il est très bas. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, pour répondre à votre question, toujours sur la visibilité que nous avons, c'est aujourd'hui plusieurs industriels qui, avec le cadre réglementaire, les lois, les décrets vont pouvoir commencer à décarboner parce que c'est plus compétitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les différents instruments financiers, on n'a plus besoin d'incitation. C'est compétitif, mais c'est un coût en matière d'investissement au départ. Oui, on est bien d'accord. Sur la taxe carbone, on dit que l'investissement dans la taxe carbone, et par rapport à ces critères-là, il faut compter entre 8 et 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je sais que les développeurs ne vont peut-être pas être très contents que je donne quelques exemples et des chiffres. Oui. Quand on a du photovoltaïque à 30 centimes de dirhams le kilowattheure, le coût de revient, ou de l'éolien à 30 centimes de dirhams le kilowattheure, je rajoute un coût financier, je rajoute peut-être 20 centimes, 25 centimes. Écoutez, je suis toujours en dessous du coût de production aujourd'hui d'énergie, de l'électricité à base d'énergie fossile. Et n'oublions pas, Rachid Hilaoui, le prix devrait être plus élevé au Maroc. Tout le monde a augmenté le prix d'électricité. Partout, en France, en Belgique, en Allemagne, Nous avons augmenté le déficit de l'ONE. En Tunisie, le déficit a augmenté. Voilà. Mais ça, c'est important de vous dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire si on était sur le coût réel, on serait vraiment au-dessous justement du 1 dirham 20 le kilowattheure. Et même si on est aujourd'hui à 90 centimes, si vous faites le calcul, 30 centimes de dirhams le coût de revient, le coût financier 25 centimes, 55 centimes d'euros, les banques marocaines vont suivre parce que les projets peuvent être financés. En tout cas, ils vous ont suivi, vous?
Alors, je ne sais pas si vous avez, quel a été les arguments ou l'argument convaincant pour vous. Oui. Parce que je rappelle que vous l'avez dit, 60 millions de dirhams d'investissement dans la première unité industrielle qui va démarrer, ou devrait démarrer en tout cas la première ligne de production d'ici le mois de mai, juste après sortir Ramadan d'ailleurs, oui. de panneaux de chauffe-eau solaire. Solaire, absolument. Donc investissement 60 millions de dirhams. Oui. Donc avec à la fois des fonds propres. Oui, deux, clairement, crédit bancaire. La subvention à travers la charte d'investissement et le crédit. Ben écoutez, Est-ce que c'est un tiers? Petite différence. Propre, je vais vous donner les un détails. Un tiers crédit, un tiers. Je vais vous donner les détails. Petite soutien de l'État. Petite ouais. Différenciation. Tout à l'heure, je parlais, les banques suivraient pour le financement d'installations solaires, l'installation renouvelable, parce que là, clairement, on pourra amortir. Facilement. Avant, les banques ne suivaient pas parce qu'il fallait de l'incitation, parce que le coût d'électricité propre était plus cher. C'est que j'ai cité l'exemple, on était à 3 dirhams, c'était beaucoup plus cher que le gaz ou le charbon. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, bien, les banques vont suivre. Alors, les banques suivent aussi par rapport au développement industriel, à l'émergence aussi, l'intégration locale dans ce secteur. Donc, nous, on a eu la chance d'être parmi les sujets qui sont aujourd'hui également aussi prioritaires, aussi les métiers d'avenir. Sur les financements, écoutez, nous avons, pour vous répondre, pris, nous avons estimé que la subvention de l'État tournait aux alentours de 20%. La part en fonds propres, elle est à peu près de 14%. Et puis le reste, c'est la banque. Je peux vous poser une question très indiscrète ? Oui. Vous avez bien sûr le droit de ne pas répondre. Je vous en prie. Vous avez levé un crédit, parce que c'est un crédit industriel, parce que c'est un investissement industriel, oui. Dans l'énergie du futur. Oui. Hein, à quel taux ? Alors, c'est possible de connaître le taux, parce que le taux du crédit, c'est le renchérissement du taux directeur. En tant qu'ingénieur, je vais essayer. Non, écoutez, le taux tourne aux alentours de 4%. Oui. Le taux tourne aux alentours de 4%. Parce que vous avez eu l'engagement de l'État qui vous soutient, aussi, la subvention, c'est ça qui a permis de... Écoutez, aussi clairement, le taux était bas à ce moment-là. Et sachez aussi que la subvention de l'État rend aussi, rend le financement aussi plus intéressant. Maintenant, si vous me posez la question, moi j'aimerais bien aussi vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai senti. Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'accélération des procédures pour la mise en œuvre du cadre réglementaire. Tout le cycle législatif. C'est vraiment un appel et il faut tout faire pour accélérer. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai constaté ? Là, je suis passé de l'autre côté, je suis dans le privé. Les procédures bancaires sont aussi très, très, très rigides et sont lentes. C'est-à-dire que là, clairement, moi, je vous dirais, j'espère aussi que dans ce contexte-là, et je pense qu'il va y avoir pas mal aussi de rencontres entre les ministères concernés, la CGEM et aussi les banques, il va falloir aussi trouver le moyen d'accélérer aussi d'assouplir ces procédures, les process... d'assouplir et d'accélérer, Rachid Hillaoui. Parce que moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous me posez la question quel a été le défi, je vous dirais finalement aussi, le financement, c'est toujours un peu un défi. C'est toujours un défi. Est-ce que le délai d'accès au financement a été plus long que le délai imparti pour la matérialisation du site industriel? Clairement, Rachid Hillaoui, clairement, même le fait d'avoir aujourd'hui, pour faire une comparaison, j'ai un partenaire allemand, un industriel allemand, puis on avait discuté il y a quelques mois. Il était très positivement surpris de savoir qu'au Maroc, vous pouvez avoir une autorisation de construire en passant par le CRI et puis la voie qui a été mise en place. En 4 mois, vous pouvez avoir votre permis de construire. En Allemagne, c'est impossible de l'avoir en moins d'un an. Impossible, il disait un an et demi. C'est-à-dire que là, il y a une accélération. Il y a clairement aussi un avantage. Par contre, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que par rapport justement aux banques, j'espère qu'il y aura cette synergie et une symbiose aussi public-privé par rapport au pacte national pour l'investissement pour avoir accès plus facilement aussi à l'investissement. Je n'ai pas encore cette impression. Moi, je vais vous dire, nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat en équipe. Je ne suis pas seul. Je n'aurais peut-être pas pu. Vous êtes trois, je crois. Nous sommes trois. J'aurais pas pu. Donc, nous sommes deux, on va dire, technologues, un associé investisseur. Et puis, heureusement qu'il est aussi là. Moi, c'est pour vous dire, il faut pas aussi mal le prendre. Je le dis d'une manière aussi très positive, très constructive. Je suis revenu d'Allemagne il y a 12 ans. Je connais très bien le secteur, je connais très bien le sujet.
Nous avons aussi un associé investisseur. Et moi, quand j'entends à chaque fois, voilà, on veut soutenir les jeunes entrepreneurs, on n'aurait pas eu cette personne avec nous, cet investisseur, cet associé investisseur. Je n'aurais pas eu aussi, comme vous avez dit, cette expertise, cette expérience. Et j'aurais été vraiment, là j'ai 48 ans, j'aurais eu 25 ans, 30 ans. J'aurais voulu me lancer tout seul avec très peu de moyens. Ça aurait été très difficile. Donc là, clairement, ça c'est un volet qui me frustre. Tout à l'heure, j'ai parlé, j'étais très positif quand je vous ai dit, nous avons aujourd'hui un développement d'expertise. Mmh. Nous avons pu former énormément de doctorants spécialisés sur tous les sujets, sur les batteries. Nous avons aujourd'hui aussi plusieurs dizaines de doctorants spécialisés aussi dans les électrolyseurs, etc. Mais de l'autre côté, ce que j'ai senti, c'est que là, clairement, il va falloir sensibiliser tout le monde, la partie publique et privée, sur l'enjeu des délais. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'investissement, et vous avez parlé de compétitivité à l'international, c'est-à-dire avoir un retard d'un an, peut-être pour vous, ou d'un an et demi, ou de surtout au rythme où vont les nouvelles technologies et les solutions innovantes, plus particulièrement. En tout cas, vous êtes arrivé on retiendra que vous êtes arrivé au bout du chemin. Vous avez changé votre costume, cravate et peut-être chemise aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et PDG et président exécutif de GI3. Donc, bravo à vous. Hein. Écoutez, merci beaucoup, merci. Et puis, je continue toujours à œuvrer et puis j'espère à contribuer à l'émergence de nouvelles filières, de nouveaux métiers verts. Ça a toujours été mon dada, même cette partie relative à l'innovation. Et puis, si vous permettez, j'aimerais bien insister sur un point. Oui. C'est que dans la création aussi de cette première entreprise, nous avons avec nous des partenaires académiques. Nous avons l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, avec une grande expertise dans le domaine du solaire thermique, dans le solaire thermique pour les chauffe-eau solaires. Ils sont avec nous pour garantir une innovation continue. Et on va faire la même chose aussi pour les cellules photovoltaïques. Écoutez, et on va continuer dans cette dynamique. La théorie, mais elle est en train de passer à la pratique. Aujourd'hui, il y a une charte d'investissement, 550 milliards de dirhams. J'espère aussi sincèrement que les banques aussi vont suivre. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Complètement. Et ça, c'est pour boucler l'écosystème. En tout cas, merci une fois de plus à vous. Merci à vous. D'avoir partagé votre expérience, expertise et regard et appréciation sur les enjeux énergétiques. En fait, à la fois sur du court terme, parce que là, il y a une inflation qu'il faut gérer, mais après, il y a du moyen terme et du long terme aussi. L'impact aussi, l'enjeu en tout cas de l'hydrogène vert comme solution d'avenir d'énergie, mais surtout à l'export. Et comment aussi pouvoir aussi financer notre transition énergétique et défossiliser, on peut le dire comme ça, défossiliser notre énergie si on veut pouvoir être compétitif et visible dans les radars internationaux. Et puis, si vous me permettez un dernier petit point. Bien sûr. Le travail d'équipe est important. C'est-à-dire qu'on a plusieurs sujets qui sont... Et le sujet de l'énergie est transversal. Et donc là, il y a vraiment une nécessité de travailler en équipe. La partie publique, la partie privée. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas encore très bien. On a eu une expérience où on a appris. C'était la crise pandémique où ça a bien marché. Et donc, je pense qu'il faut capitaliser sur cette expérience. Vous n'allez pas finir sur une note de nostalgie de la pandémie ? Non, pas du tout. Nostalgie, peut-être par rapport à IRSN, à la partie recherche appliquée. C'est pour ça que j'essaie aussi de tirer ça avec moi. Merci en tout cas infiniment à vous, Barricane. Je rappelle, président exécutif de GI3, donc je rappelle aussi lancement de la première unité de production, en tout cas la première ligne d'ici le mois de mai. Absolument. Mai prochain, de production de chauffe-eau solaire 100% marocain. Absolument. C'est comme ça qu'ils ont présenté. Et ensuite, dans la boucle aussi, c'est la deuxième unité industrielle, donc ça sera pour 2024, donc pour l'an prochain. D'ici la fin. La production de cellules photovoltaïques. Et vous avez dit que le silicium et entre autres et les semi-conducteurs, c'était pas quelque chose qui pouvait perturber votre modèle économique. Du tout, et d'être compétitif aussi sur ces produits là et sur cette production là. Clairement, et puis de contribuer à l'émergence vraiment d'une nouvelle filière qui pourrait dans quelques années être une filière aussi importante que celle de l'automobile. Ce qu'on aurait dû faire déjà peut-être après 2009 et le lancement de la stratégie nationale solaire. Il vaut mieux tard que jamais. On finira là-dessus. Merci en tout cas une fois de plus. À vous, Badekan, c'était un plaisir. Merci Rachid. Et bonne continuation. Le plaisir était pour moi. Merci.